be moving. Whip in the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game because I never got out my way. Never... Yo les postos, c'est Sacha. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 3h du matin. L'information vient de tomber, Léo Messi voudrait quitter le FC Barcelone en 2021 au terme de son contrat. Donc c'est quand même une bombe que nous annoncent les médias espagnols. Je sais ce que vous allez me dire, ouais Sacha, tu crois les médias espagnols quand ça t'arrange. Sauf que le problème c'est que comme Mundo et Sport sortent une information, elle n'est jamais relayée ni par l'équipe, ni par RMC, ni par le Parisien. Alors que là, c'est toute la presse française, allemande, italienne, espagnole, qui a tout relayé, l'information de la Cadena Ser, la Ser, Elargo et Sique Rodriguez, qui sont des journalistes assez fiables, donc qu'ils citent, hein, en ce moment, l'idée de Lionel Messi est de quitter le FC Barcelone en 2021, à la fin de son contrat. Messi en a marre des fuites permanentes qui sortent du club, il est fatigué d'être tenu responsable de tout ce qui se passe au Barça et de tous les problèmes qu'il y a eu cette année, comme vous savez, hein, son clash avec Antoine Griezmann, l'idée que c'est lui qui décide de tout, le clash avec Eric Abidal, directeur sportif et son ancien coéquipier, le clash avec Bartomeu, il en a marre aussi qu'on le tienne responsable du départ de Valverde et de la mauvaise ambiance qu'il y a en ce moment dans le vestiaire, notamment avec Quique Setién. Donc c'est assez chaud ce qui se passe en ce moment. Comme vous savez, du côté du FC Barcelone, en ce moment, c'est la crise financière. On arrive toujours un petit peu du côté du FC Barcelone à s'en sortir avec des échanges et des tractations et des opérations financières assez incroyables. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la masse salariale la plus grosse d'Europe. Donc maintenant, que va-t-il se passer? En ce moment, Léo Messi, hein, se fait traiter de dictateur, se fait traiter de autiste, de nain d'1m50 par certains soi-disant grands médias. Donc, qu'il en ait marre, on peut le comprendre. Voilà. En soi, on peut comprendre que voilà, avec son statut de sextuple ballon d'or, multi-Ligue des champions, multi-championnat d'Espagne, le nombre de buts qu'il a marqué dans sa carrière, 700, 820 matchs, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Bon, apparemment, maintenant, être un dictateur, ça le fatigue. Moi, je pense que c'est pas ça le vrai problème. Le problème de Léo Messi, c'est que maintenant, il voit que bah, dans l'organigramme, dans la présidence, dans les dirigeants, dans la façon de fonctionner, ça ne fonctionne pas. Et j'ai l'impression qu'il n'est plus entendu. Alors, est-ce une fin de carrière pour une légende de ce sport? Voilà. Chaque année, de toute façon, j'ai l'impression qu'il va faire ça. Ne vous inquiétez pas, moi, je pense qu'il restera quoi qu'il en soit. Après, il est tout simplement, pour moi en ce moment, hein, pas terrible. Après, je ne vais pas dire que c'est un leader, mais voilà. En soi, le Barça, sans lui, ça va être compliqué de s'en remettre. Je pense que le Barça va tout faire pour le garder. Mais lui, je pense qu'il en a ras le cul d'être là-bas, d'être dans cette mauvaise ambiance. Surtout depuis que Neymar est parti. Parce que le Barça, en Ligue des Champions, depuis que Neymar est parti, il n'y a rien. Même depuis 2015, le Barça, certes, a atteint une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière, tout ça et tout. Mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations pour la prolongation avait très bien commencé entre les deux parties. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Mais voilà, les derniers événements ont incité Léo à tout reconsidérer. Et voilà, pour le moment, il a décidé d'arrêter avec le Barça. Oula, incident, je ne sais pas s'ils ont entendu ce que j'ai dit. Apparemment, il y a un truc qui est tombé dans la rue. Bref, voilà. Donc, il n'y a que ça qui peut les pousser à dégager. On va me dire que ce n'est pas plus mal. Il y en a qui pensent que Léo Messi est le problème du Barça. En soi, c'est une possibilité, mais si les dirigeants n'ont pas les couilles, bah, ils n'ont pas les couilles, mais voilà. On sait que les dirigeants, ils font n'importe quoi dans ce club. Malheureusement, le Barça est protégé par l'UEFA, est protégé par Javier Tebas, qui nous a fait croire que peut-être il n'y aurait pas des gros recrutements. Mais le Barça, voilà, ils sont dans le rouge depuis un certain temps, surtout avec le transfert d'Antoine Griezmann, 120 millions d'euros. C'est un échec incommensurable, il ne joue pas. Ousmane Dembélé, je me répète, 120 millions d'euros, ça fait un an qu'il est à l'infirmerie. Philippe Coutinho, qui a été payé 160 millions d'euros et qui a été prêté un an plus tard au Bayern et qui n'en veulent même plus, à 3, ça fait quand même mal. Donc voilà.
Moi, je vois qu'il en a ras le cul, je le vois, surtout qu'il est de plus en plus nerveux, il a de plus en plus un comportement très mauvais, il fait des vilaines fautes, il a eu la tête d'Arthur, il a eu la tête de beaucoup de personnes. Donc voilà, donc en soi, c'est l'information du jour, on n'en sait pas plus pour l'instant. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en ce moment, dans la tête de Léo Messi, bah, il veut quitter le FC Barcelone en 2021, à la fin de son contrat, parce qu'il en a marre un petit peu d'être responsable de tout dans ce club, des fuites permanentes, des changements de coach, des clashs entre les directeurs sportifs, les joueurs entre eux, voilà, tout ça et tout. Donc est-ce que Messi quittera réellement le Barça? Donc en tout cas, voilà, c'est une information qui a été relayée par toute la presse, hein, vous pourrez le voir, voilà, la Cadena SER, la SER et l'Argo et Sique Rodriguez, voilà, qui dit que Messi en a marre d'être le bouc émissaire du Barça, d'être responsable de tout, et envisage de quitter très sérieusement en 2021, à la fin de son contrat, alors qu'il aura quand même 34 ans, le FC Barcelone pour peut-être un autre challenge. On va voir. C'est vrai que la prolongation était bien engagée. Il ne faut pas oublier que lui demandait un salaire de 50 millions d'euros net, mais apparemment ils étaient d'accord sur le fait de rester au même salaire, c'est-à-dire 35 millions d'euros. Ça dépend. Il peut se passer beaucoup de choses. Voilà. Il va y avoir un changement de président. Est-ce qu'il y aura un changement d'organigramme complet? Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, ça sent peut-être la fin. On ne sait pas. D'ailleurs, apparemment, les propos de Dugarry, hein, il les a vus, apparemment. Ça a été beaucoup cité par les socios en Espagne, qu'ils avaient oublié aussi que Dugarry avait été un joueur au FC Barcelone. C'est assez cocasse. Mais voilà. En tout cas, toute la presse aujourd'hui et ce soir, à 2h du matin, a relayé cette information. Léo Messi envisagerait très sérieusement de quitter le FC Barcelone. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Léo Messi quittera le FC Barcelone à la terme de son contrat, c'est-à-dire dans un an? Vous savez que même en cas de prolongation, hein, il a une clause pour partir quand il veut. Voilà. Donc, certes, maintenant, elle sera pas plus valable jusqu'en 2021. Mais voilà, il songe à quitter le Barça en 2021. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos Mercato qui sortent et de l'actu foot en direct. On me rejoint ainsi sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à faire des dons sur Utip pour regarder les pubs gratuitement. Tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!